Bonjour les Minecrafters, ici CB35 en Sonic pour la suite du Let's Play à l'épisode 7. On n'est pas tout à fait là, on s'est arrêté. Vous n'avez pas raté grand chose, donc Gamma a été tué. Il disait que pour continuer son aventure, il devait retransformer l'extérieur. Et donc il fallait trouver cette chambre forte avec le bouton. Et voilà. Donc du coup vous avez raté un tout petit peu de trucs, c'est à cause de que j'avais ouvert un peu trop de fenêtres avec ce logiciel qui prend pas mal de RAM et qui, comme j'ai pas un ordi très qui n'est pas tellement fait pour supporter ça. Voilà, quoi, ça a craché plusieurs fois d'affilée, donc je me suis décidé à fermer des fenêtres, notamment internet et des trucs dont je n'avais pas besoin. J'ai toujours laissé le logiciel de montage, le jeu et le logiciel de capture. L'essentiel quoi. Le logiciel de montage prend pas mal de RAM aussi, mais bon. Voilà, c'est pas trop. Donc le truc a été transformé en théorie. Bon. Ah non. Non. Visiblement non, donc on va y retourner. Je fais une erreur. Hop. J'y vais. Ça va vous permettre de voir aussi le chemin que j'ai pris. Voilà. Youhou ! Blanc. Blanc. Hop. Voilà qui est fait. On va pouvoir y aller. Ah. J'ai quand même l'impression que ça a changé de configuration légèrement. Ouais, carrément. Tiens, c'est Big the Cat là-bas en violet. C'est le guac. Le guac de l'infini de la mort qui tue. Oh non. Not again. Oh, tu penses que tu vas mettre quasiment pas de son sur... Oh là là, c'est dommage. Oh, what confort. Hihihi. Oh oui, attaque Sonic tout de suite. Froggy. Bonjour, le Froggy. If he's your friend, I'll help you. Just leave it to me. Frog, ça veut dire grenouille en anglais, mais je pense que vous le savez. There's only one more left to find. I even found Chaos's missing tail. You won't get away with this, you madman. Désolé, je dis rien pendant les animations, mais bon. On va regarder les animations. Okay, Chaos. Destroy them all immediately. Ça se trouve, vous avez vu la souris par-dessus l'écran, je viens de la retirer. C'est peut-être pas le cas, mais bon, moi je peux pas deviner vu que ça s'est fait dans l'épisode 6. Voilà, comment on peut faire pour le battre, celui-là. Je pense que si je rentre dedans. Ah ah, bien on se débrouille. D'accord. Ah ah. On peut les ramasser après avoir tapé dessus. Ça se trouve? Bam. Ah, c'est bien ce que je pensais. Coup de frise, mais bon. Ça l'a frisé. Ouais, j'ai compris. Faut prendre des beaux bombes. Et balancer. Oh bah c'est simple finalement. Alors, faut faire gaffe parce qu'il est quand même assez violent et assez gros. Youp. Et bah ça, ça aura été facile finalement. Et bah voilà. Voilà qui est facile quoi, c'est tout simple. Bah je pense que là j'ai fait un record imbattable pour ce boss. Le temps de comprendre, de lui balancer les bombes à la tête. Des bombes glaçantes. Il doit pas être content l'Eggman. Oh Knuckles, ça faisait longtemps. Hey there Knuckles, glad you finally made it. I thought you got lost or something. Until we meet again, Sonic. Oh non, il s'enfuit. Stop. Come back here.
Wouhou! Dans le vide absolu d'enfer de l'oubli. Scratch. Je connais pas cet endroit. I hate Eggman. Where's this? Ah bah je me demande aussi. Gégue. Oh oh! La terre tremble. Le temple tremble aussi. Et je me demande pourquoi. Prise léger. Hein? Oh là là. C'est horrible. Les coups de latte comme ça. Bon, eh bien, c'était la pause coup de prise. J'essaierai de faire un montage pas trop dégueulasse. Alors, on peut jouer avec Big, qu'on a croisé. Je sais pas ce que je fais là, je vais aller au centre des ruines. Oh oh oh, il me fait peur ce niveau. Ah bah c'est ça, vous avez pas finalement, c'est grand serpent violet là, on a arrivé loin aussi au deuxième niveau. Et on va avancer bien calmement ou pas. Ça me rappelle quelque chose ça. Ça me rappelle les égouts du casino. Je sais pas. Oh le couac! Vraiment quand tu marches sur un truc qui est replié, bah ça efface. Il me coupe dans mon élan les trucs de pierre qui s'enflamment de temps en temps en plus. Il y a une musique bizarre ce niveau quand même. Ah bah d'accord, carrément fait mal ces trucs. Je te prendre ça. Ça c'est pas l'un des trois interrupteurs, c'est juste un interrupteur pour changer le niveau de l'eau. Et ce que je vois c'est ici qu'il a rempli toute la pièce en moins de 3 secondes. Faut aller vers la tête du machin pour éviter de tomber dans l'eau. Je pense. Ah, c'est quoi ça? Ça m'a intrigué. Ah c'est un 3... c'est un des trois boutons. Ça c'est un bouton pour augmenter le level de l'eau. Hop. Je vais pas rater mon train quand même. Oh oh oh, c'est dangereux. Ça donc je prends pas la bulle parce que je sais que ça sert à rien. Ça va juste friser maintenant que je sais ce qu'elle veut dire. J'aime pas le freeze. Le freeze c'est désagréable. Et ça je pense que vous le savez déjà. Oh, c'était YOLO. Il va vite quand même le serpent géant. Elles sont bizarres, je me demande de quel peuple elles viennent ces ruines. Ça c'est strange. J'ai raté le passage du grand vide. Bon, eh bien, c'est très bien. Le niveau est fait peinard, pépère. On va pouvoir continuer. J'ai vu dans la section de niveau qu'on a fait quand même quelque chose comme 75% de l'aventure de Sonic.
Mais après, il y a les autres personnages ainsi que les niveaux bonus. On fera un petit peu de rétro gaming aussi parce que j'ai eu sur la boîte qui vous un certain nombre d'emblèmes. On pouvait débloquer des vieux jeux de Game Gear. Wouhou! C'est de l'eau. Hop. Est-ce que vous aimez la musique de ce niveau? Personnellement, moi... Ah oui, j'ai oublié de laisser. Non! Je risque de me noyer! Bah non, là je suis déjà passé. Oh, il est où? Ouais. Bien. Bien, bien, bien. Ce que je viens de faire est une connerie. Voilà, bon, bah, on recommence tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et 12 secondes, petite ellipse. Allez, on y retourne. Wouhou! Hein, je suis bête. J'ai oublié de faire monter le niveau de l'eau. Ah bah mince! C'est bête. Ah oui, lamentablement. Ouh. Oh, pile poil. T'arrives juste à temps. Bon, brave machin. Il est quand même assez chelou le comportement de ce bidule. Non! Ça me rappelle vaguement quelque chose, après je sais pas tout à fait quoi. Ah, c'est lol ça! C'est génial! What? Bon, eh bien je dis rien, mais en même temps je réfléchis. What? Bon, et ben je crois qu'on a fait assez d'essais. Voyez-vous, je vais faire une ellipse et on se retrouve une fois que j'ai fait ce satané niveau. Et je vous retrouve, je pense que j'ai finalement réussi ce niveau. Ou presque. Enfin, je suis encore sûr de rien, mais bon là, si je rate ça, c'est vraiment le fail de l'infini. Voilà, quand même. Et au final, il nous reste quelque chose comme 5 minutes de vidéo. Et voilà, j'ai enfin réussi ce passage. Faut dire que dès que je vous ai laissé, j'ai réussi du premier coup, en fait. J'ai l'impression que votre présence ne fait pas ma faveur. What? Je vois rien. Ah d'accord. Le miroir. Oui, servir de miroir et orienter de la lumière d'une certaine façon tout en évitant de s'enflammer. Gros coup de bol, là, je vais même pas chercher à faire le truc que je vais faire. J'aime pas trop ces boucliers là. Et la musique. Elle est flippante, on dit. Ce miroir-là. Bon là, vous êtes d'accord que je vise bien le miroir. Hein. Voilà. Quand même. Je pense qu'on pourrait même se passer des miroirs. Mais bon. Voilà. Bon, c'est un petit peu chelou parfois. Faut orienter la lumière pas exactement sur le miroir, mais juste à côté. Bon, si vous avez une astuce pour ce niveau-là, si jamais je veux faire une intégrale speedrun, une petite vidéo
Ça me rappelle vaguement quelque chose, ça. Oui, point de sauvegarde. What? Je pensais que le courant était moins fort que ça. Ah, ah, là, là, là. Allez, on y va. 7e épisode du Let's Play qui touche malheureusement bientôt à sa fin. Ouhou, sniff. Je vérifie dans 3 minutes. En fait, j'ai mis 4 minutes à faire le niveau pendant que j'ai fait l'ellipse. Mais bon, ça devenait répétitif. Le truc, c'est que au lieu de descendre là où je descendais d'habitude quand je venais de terminer le truc, fallait attendre un peu. Il fallait deviner. Hein. Il fallait y aller. Bon, ce rocher là, il me fait à peine flipper. J'ai l'habitude maintenant. Je sais que ce jeu, il y a des trucs. Ça, par contre, ça, c'est un petit peu flippant. Ce... Il faut aller par là, je suppose. Oh my god. Un éléphant rose, c'est trop mignon. Use the switch to light up the wall panels. You can walk on those panels when lit. D'accord. Attends, ils sont illuminés. Ça marche. Ils sont illuminés. Et sinon, quel est l'intérêt du truc? Faut gaffe que je tombe pas. Marcher sur cela, mais comment? Mince! Mais c'est la configuration à laquelle on était avant en fait. Il est plus humide que les autres, celui-là, c'est assez suspect. Bon. Ah. Ouh. On pousse pas dans le vide, toi. Ne jamais demander gentiment un truc. Un piège. Installé par des Incas Mayas ou je ne sais quel autre peuple de l'époque. Bon, je sais pas du tout où je dois aller. Oh, yalla ! Raté. D'accord, mais comment on y accède ? Et c'est la fin de l'épisode, je vous donne rendez-vous à la prochaine, je pense que je ne continuerai le record que quand j'aurai trouvé la solution à ce mystère. Allez, au revoir à tous !